qui se sont battus pour nous protéger pendant les moments difficiles. Et je voudrais, Monsieur Loyer, au nom de National, et en particulier à son empreinte digitale. Il y a beaucoup de médias spécialisés pour parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et on ne passe pas suffisamment de temps pour valoriser tous ceux qui parlent des trains qui arrivent à l'heure. Et il y en a quelques-uns, et c'est à ceux-là à qui on voudrait dire merci. Nous célébrons aujourd'hui le lancement effectif de la feuille de route au niveau des territoires. C'est là. Il y a quelques jours, nous avons, au niveau de la Confédération, signé la convention pour la nouvelle feuille de route en présence du chef du gouvernement et la ministre du Tourisme, et puis 5 ministres au total, un moment important pour le secteur touristique marocain. Et aujourd'hui, nous avons entamé la traduction territoriale et la première rencontre avec les régions ici à Marrakech, qui sera la première d'une très longue série. Et ce soir, nous avons décidé, avant d'ouvrir la nouvelle page ici à Marrakech, les équipes du Conseil régional du tourisme de Marrakech ont décidé de rendre hommage à tous les acteurs qui ont participé à la promotion de notre région, tous les acteurs qui ont participé à son rayonnement international. Nous souhaitons leur dire merci et bravo avant d'entamer la nouvelle page de l'histoire de notre tourisme, de notre secteur et de notre pays. Donc, Barradès Lewen, président des associations des agents de voyage de Marrakech et président de Montant de Voyage. C'est une première à Marrakech, c'est un honneur pour nous d'être élus et de recevoir ce trophée. Au Marrakech, il y a le Badir, il y a le Oulaf, il y a le Nahid Siaha. Autant je crois que c'est CRT, M. Bentahar, le Jami, le Badir Tiva. On se met en Inch'Allah, on connaît la hauteur de le choix. On remercie toute l'équipe de le bon travail. Merci à tous. انا جينا التروفي تاع الناس الحلوين ديال مراكش، الزوينين ديال مراكش، اللي خدموا على مراكش، اللي داروا بزاف الحوايج، بزاف الحوايج على مراكش، والحمد لله حنا فخورين. بروميير اديسيون من بعد 21 عام ديال لوفيرتور ديال دار موحه، 25 عام ماشي سهله، ربع قرن. وهذا التروفي كنهديه للكوازنا اللي غادي يشرفوا بالمغرب مستقبلا، وكنهديه للدراري اللي كيعشقوا الكوزينه وغادي يكبروا بالمغرب à travers la cuisine. Nous sommes ambassadeurs au souverain du Maghreb sur la cuisine, à la tabakh. Bonsoir, je suis Elisabeth Boucher-Boulal, je suis la présidente du Essaadi Marrakech Resort, donc du Palace Essaadi, de l'hôtel Essaadi et du casino de Marrakech. Voilà, j'étais très heureuse et très honorée ce soir de recevoir le trophée. C'était un trophée qui m'a été donné pour... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je suis peut-être la pionnière dans le tourisme ici à Marrakech. Et c'était vraiment une grande fierté, surtout que je l'ai partagé avec beaucoup de gens qui étaient peut-être aussi méritants, si ce n'est pas plus que moi. Enfin, je suis très heureuse d'avoir vécu cette belle soirée. Merci beaucoup. نوال منير مديرة مطار مراكش للنارة. اليوم تنتواجد مع المتدخلين في قطاع السياحة اللي حصلنا على واحد الجائزة اللي في الحقيقة مون بيرسونيلمون جو سوي تري ايمي اوجوردي بهذه البادرة الجد طيبة واللي ما كتعطينا الا حيويه اكثر باش نزيدوا للقدام ونهضوا بالقطاع. وشكرا وكنتمنوا رمضان سعيد للجميع. Je suis Ali Hormal, directeur général du circuit automobile Moulay El Hassan à Marrakech et c'est vraiment une joie d'être ici. Marrakech reprend toutes ses couleurs et Marrakech reprend toutes ses couleurs et c'est l'occasion de célébrer tous ensemble. Tous les opérateurs du tourisme, tous les opérateurs marrakechis, tous les opérateurs marrakechis, tous ceux qui ont survécu, qui ont passé cette période difficile et qui se retrouvent aujourd'hui dans cette belle salle de fête du Four Seasons et qui se retrouvent pour célébrer donc cette reprise. Marrakech reprend toutes ses couleurs et c'est vraiment l'occasion d'être content et de célébrer ce moment particulier.
فوالا ميرسي. السلام عليكم. فرحان بزاف بالحضور ديالي في البروميير اديسيون ديال فيزيت مراكش. شيء جميل باش نحضروا لقاء بحال هكا باش نهضروا بزاف على ثقافه الشكر. وكاينين بزاف الناس اللي عطاو بزاف لهذه المدينه، هذه مدينه مراكش، على الصعيد السياحي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الثقافي. وخاصنا نبداو نقولوا الناس شكرا ونشجعوهم باش يعطيو اكثر، ونشجعوا اجيال اخرين اللي غايجيو من موراهم باش حتى هما يعطيو نفس المدينه، ولما لا باش يكون على صعيد المغرب هذه ثقافه الشكر تولي باختو في المغرب. نشكروا الناس ونقول لهم شكرا على ما اللي كتقدموه، شكرا على اللي كديروا، وهذا الشيء اللي كاين. Bonsoir, Imen Rmili, présidente de l'Association régionale des restaurateurs de la wilaya de Marrakech Safi et présidente de la Fédération nationale des restaurants touristiques. Je trouve l'idée d'honorer, de remettre ces trophées aux acteurs de la ville de Marrakech excellente, parce qu'ils donnent tellement qu'il faut aussi leur donner quelque chose en retour, et puis les honorer de cette manière, c'est une chose merveilleuse et puissante. Je remercie Hamid Ben Tahar pour d'avoir pensé à créer cet événement, et j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là. Merci. My name is Hassan Hajjaj. Just wanted to say thank you for the award today. It was a new experience for me, and I want to thank all the people that voted for this for me. Thank you. مساء الخير. نور الهدى صبري، رئيسة مؤسسة نور للتنمية المستدامة، جهة مراكش أسفي. جد سعيدة بالحضور ديالي في هذه التظاهرة ديال مراكش تروفي ريجيون، بمناسبة تشجيع ديال السياحة والناس اللي عطاو واحد العمل كثير بالنسبة لمراكش والجهة ديال مراكش. تنشكر المنظمين، تنشكر الأطر. تجمعنا واحد الجمع كبير وفي أول دورة، وكان عندها واحد صدى كبير. تنتمنى إن شاء الله الدورات الأخرى تكون ناجحة أكثر وأكثر. شكرا. السلام عليكم، معكم مسجد فاطمة من سيف المال، جامعة سيف المال، وتنسلم عليكم وتنشكر هاد الناس اللي صاروا على هذا سميتو القائم، وتنشكركم على جديتو بالمرأة القروية. مصطفى أمليك، كاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش أسفي. هذا الحدث هو الأول من نوعه، يعني على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي بصفة خاصة، اللي تنظمه المجلس الجهوي للسياحة بشراكة مع المكتب الوطني للسياحة. هذا الحدث الأهمية دياله هو أنه تحاول يكرم النساء والرجال أو الفاعلين ديال القطاع ديال السياحي.